round, round, get around. I get around. Yeah, get around, round, round. I get around. I get around. Salut, c'est Mathieu Ludovox.fr et aujourd'hui, nous sommes à Paris Ludique 2018 avec Karim, l'éditeur de Lemon Game. Salut Karim. Bonjour. Donc, tu vas nous présenter le jeu que tu vas sortir qui s'appelle Moonsun. Alors, c'est un jeu pour quel genre de public et combien de personnes? Donc, c'est un jeu à deux joueurs pour des joueurs qui aiment bien les casse-têtes et la stratégie. C'est un jeu plutôt tactique. Ça dure combien de temps et est-ce que c'est un jeu qui est très compliqué ou qui se joue à partir de 8 ans et plus? Alors c'est un jeu où les mécaniques sont simples mais la stratégie est un peu compliquée, donc il faut compter 14 ans. D'accord. Voilà, il y a la spécificité, c'est qu'il n'y a qu'une seule carte. Une carte où la face il y a Moon, la lune, et de l'autre côté il y a le soleil. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans ce jeu? Est-ce que c'est compétitif? Est-ce que c'est coopératif? Comment on gagne? Alors on joue chacun de son côté, c'est un peu, on va dire, comme un puzzle. Le but du jeu, c'est de réaliser 4 croix. 2 croix avec la lune, donc 2 croix noires, et 2 croix avec le soleil. Donc le premier joueur qui arrive à aligner les 4 croix comme ça devant lui a gagné la partie. Et du coup, à son tour, on fait quoi? Donc on joue chacun son tour, et à son tour... Alors, toutes les cartes sont identiques. On va piocher une carte et poser une carte devant soi. D'accord ? Donc à chaque tour, on pioche une des cartes et on peut la poser comme on veut, verticalement, horizontalement, côté lune ou côté soleil. Donc à chaque fois que l'on pose une carte, quand on joue, d'accord ? Une fois qu'on a posé une carte devant soi, on peut utiliser n'importe laquelle des cartes en fonction de sa phase. Donc il y a 4 effets différents. L'effet du soleil vertical, l'effet du soleil horizontal, la lune verticale et la lune horizontale. Voilà. Le premier pouvoir, c'est l'effet du soleil vertical. Il permet de piocher une carte supplémentaire. L'effet du soleil horizontal permet de poser une carte supplémentaire. L'effet de la lune verticale permet de retourner une carte. D'accord. Et l'effet de la lune horizontale permet de tourner une carte à 90 degrés. Mais que chez soi. Que chez soi, effectivement, jusqu'au moment où on arrive à faire des croix monocolores. Et dans ce cas-là, on peut interagir avec les cartes de l'autre joueur. Voilà, pour l'empêcher de faire ses croix. Et donc, le premier qui réalise ses 4 croix a gagné. A gagné, effectivement. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est un jeu qui paraît effectivement très très simple, qui est désarçonnant de simplicité, qui a l'air de couler de source. Alors, il vient d'où ce jeu? Le jeu, c'est un jeu qui a gagné le pion d'or à Boulogne-Billancourt en 99 ou 2000. Voilà, et c'est un jeu français. L'auteur est français. Et du coup, il était déjà édité ou alors tu l'as... La première édition. En fait, il allait être édité il y a très longtemps par Matago, puis c'est tombé dans les oubliettes. Donc voilà, l'auteur m'a contacté, puis j'ai dit, pourquoi pas, faisons ce jeu. Ok, et ça sort quand et à peu près pour quelle gamme de prix? Il sortira, je pense, en août. Et le prix sera de 17 euros. C'est aussi un prélude à un autre jeu qui utilisera le même type de mécanisme et qui sera pour... Là, c'est que peu d'autres joueurs, mais le prochain jeu sera pour 3 joueurs et plus. Bah écoute, merci Karim pour cette explication de Moonsun. Et puis on se dit à bientôt sur ludovox.fr. Ciao, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. I gotta find a new place where the kids are hip.